Bonjour à toutes et à tous les Missigas de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme, pour moi ça super. Les copains, on va passer les 23 000 trophées ensemble et je vais rajouter un nouveau défi à cette vidéo parce que voilà, vous dites peut-être 23 000, c'est pas ouf, mais les gars, si c'est carrément dingue parce qu'on va essayer de se le faire en solo survivant avec les brawlers les plus bas que j'ai. Donc on va commencer par ma petite Rosa. La map à l'heure où je tourne, c'est Canyon Circulaire, elle change dans 47 minutes, je tourne la vidéo le soir les gars. Pour être tout à fait honnête avec vous, du coup, vous vous dites, mais tonton, il va nous reprendre le rush. Mais il est grave, les gars, grave, grave. En fin de compte, je devais le reprendre qu'à partir de lundi. Sauf que pour pas être au reset trop bas, j'étais à 21 400 en début de saison. Je me suis dit que j'allais quand même essayer de faire les 24 500 d'ici dimanche soir, voire 25. Pour tout simplement essayer de ne pas prendre trop de retard. Vous savez que le nouveau reset fait quand même largement moins mal que celui qu'on avait à l'époque. Donc les copains, si vous êtes chaud à l'idée qu'on se fasse un rush d'anthologie, qu'on aille chercher les 30 000 trophées en famille, explosez-moi les pouces bleus, montrez-moi votre soutien à la Team Gate de Toulon. Je sais que vous êtes nombreux à me dire, voilà, sous les vidéos depuis longtemps, tonton, quand est-ce que tu te mets à rush, on veut voir du beau jeu, les gars. Alors aujourd'hui, le beau jeu, ça reste... chacun sa vision du truc, hein. Voilà, c'est du solo survivant. Je garantis pas que ça plaise à tout le monde, mais en tout cas, les copains, j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous en commentaire, un petit message de motivation. N'oubliez pas l'abonnement à la chaîne, les gars, et bien sûr le petit code Gaël si c'est pas déjà rentré. Et du coup, il nous manque 25 trophées tout pile. On va lancer directement avec Rosa. Alors, je prends les brawlers dans l'ordre en fin de compte, hein, les gars. Rosa, dès qu'elle va gagner une game, même si c'est un plus 2, je crois qu'elle va plus être dernière du classement. Du coup, je prendrai le brawler au-dessus, etc. etc. Le but, c'est pas de faire deux games avec le même brawler. On change un petit peu, voir ce que ça donne. Alors, si on fait un moins, les gars, c'est pas pour ça qu'on rage quitte. Hein. Nos stress. Cool, cool les gars, cool, croyez en tonton. Voilà, même si là à Colt on lui a pas fait mal. On va mettre une petite herbe par là. Ouh, les gars, on prend une grosse respiration, les gars. Il faut se concentrer absolument. Alors en vrai, ça m'embête un peu de... Alors qu'est-ce qui se passe là? Ça m'embête un peu. Est-ce que la Shelly, je peux pas aller la chatouiller? On va lui mettre un petit peu la presse à la Shelly là. Ouais, j'ai pas encore touché quelqu'un, les gars. Voilà, j'ai pas encore touché quelqu'un. Oh là 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 là. Oh, les gars, j'étais en apnée, un truc de fou. Alors, j'ai le premier Star Power, hein, celui qui régène de 200 points de vie par seconde. Vous le voyez, là, 200, 200, 200. On se met plutôt pas mal. Donc, là, clairement, c'est ce que j'appelle la technique du piège, les gars. C'est peut-être pas la plus belle, mais vous allez voir que dès qu'un mec va débarquer, on va passer par là. Je pense qu'il va regretter son passage trop près de Tonton. Il va se prendre une calbotte derrière la tête. Voilà, style elle. Est-ce qu'elle veut venir voir Tonton ou pas? Alors là, par contre... On va essayer de... Voilà, j'ai fait le malin, j'ai failli tomber dans le ravin. Vous connaissez l'expression bidon. Alors, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Putain, ils sont où, les frérots, là? Ok, il n'y a personne. Ah ouais, il est là. Je pense que ça servira à rien. Je vais le péter, ok. Ok, donc là, on est vraiment pas mal. Je vais régénérer un petit peu comme ça, voilà. Putain les gars, je suis stressé, je veux faire un premier top 1 pour la première game directement. Alors, où il se cache par contre le frérot? C'est la question. J'ai pas fait en haut à gauche. A priori, il est soit peut-être là. Non, il est pas là. Soit il a pris ma place en bas à gauche. Ce qui est peu probable en vérité. Ok, elle est là, elle est mignonne, elle est mignonne. Elle a deux popos. Elle est toute petite, toute fragile. Viens voir tonton, viens voir tonton, viens faire la baston. Viens faire la bagarre, viens faire la baston. Bon, là, en vérité, faut pas faire trop les malins, parce que si elle prend la popo, on pourrait se faire des pop. Voilà, ok, bon. Une Rosa 10, non, une Rosa 7 contre une Rosa 2, les gars. Qui plus est, sous potion, elle ne pouvait pas faire le fou. Le poids, pardon, la petite Rosa. Donc, on lui met un plus 10, tranquillou. On est à 585, et ça nous met plutôt pas mal, parce que on est plus qu'à 15 trophées de l'objectif de la vidéo du jour. On va prendre notre plus beau skin du jeu, Beau Horus, plutôt Horus comme le dit David K, les gars. Les vrais reconnaîtrants. En tout cas, du coup, 15 trophées, on pourra pas les faire en une seule game. Est-ce que je... Putain, merde, j'ai pas pu activer, les gars, le... J'ai pas pu activer le bon Star Power, je sais même pas lequel c'est en vérité, donc peut-être qu'on a la... Bon, on a la vision. On a la vision, on a la réponse. C'est pas mal. C'est pas forcément celui que j'aurais pris, parce qu'il n'y a pas énormément de bush, mais je valide ce choix hasardeux, les gars. Faut le valider, faut soutenir la tonton. Alors, en vérité, le logo Wi-Fi, s'il peut juste me laisser tranquille, on va essayer de charger les mines comme ça, et comme ça, on va les mettre des mines au milieu, voir un petit peu ce que ça peut donner. Est-ce qu'on peut un petit peu forcer les gens à se battre, hein? C'est un peu le but du survivant, les gars, c'est les laisser se taper. Et nous, on récolte les trophées au calme. Donc là, on n'est plus que 9, on a 2 viewers qu'on embrasse, les gars. La famille, je suis chez les Codes Magiques FR en ce moment, pour ceux qui me demandent quel clan je suis pour spec ou pour tout regarder.
Ok. Elle, la pipe, elle m'a mis un gros coup. Attention quand même. Attention quand même, les copains. Ok. Elle vise pas trop mal. On est plus que 6. Alors attention, là, si elle prend la popo. Ok. On l'a mis low, Vita. Là, en vrai, elle va sauter. C'est ça, le problème. C'est qu'elle va sauter, cette petite coquinette. Dommage qu'il soit pas tombé. On est déjà sûr de prendre 2 trophées, mais en vrai 2 ça me suffit pas. Moi je veux beaucoup plus. Alors c'est vrai que la pipe elle joue bien parce qu'elle se garde. Elle se garde sans saut. Voilà, elle le met. À mon avis, Dina, allez! Ok, on est pas mal du tout, les gars. Putain, c'est une bonne session. En général, je fais pas forcément des top 1. Top 2, là on va aller chercher le top 1. Je vous le dis direct. Je vous le dis direct, les gars, il y a un Poco 1. Si on perd, je vous autorise à me critiquer. Non, pas m'insulter, pas d'insultes, les gars. On est en famille, voilà. Deuxième top 1. C'est assez rare que j'enchaîne 2 top 1 comme ça, les gars. Putain, il y a toujours ce petit logo Wi-Fi. Même quand la game, elle est finie, le logo, il vient faire sa dédicace. Les gars, faut pas faire de dédicace comme ça, faut demander avant. C'est quoi ce délire? Alors, on est... Oh, va falloir jouer Shelly. Shelly avec son skin sorcière, qui est plutôt stylé, hein. C'est plutôt pas mal ce skin. C'était un skin de l'event d'Halloween, les gars, pour ceux qui se demandent d'où ça sort cette bestiole. Tout simplement, donc il nous manque seulement 5 trophées pour tout simplement essayer, ça fait beaucoup de tout simplement, essayer de choper les 23 000 trophées dans ce qu'on appellera la première vidéo de Rush, les gars, parce que, en vérité, c'est la première vidéo du nouveau Rush. Ça fait exactement 5 saisons que j'ai pas touché ce gros compte. Il est temps de se réveiller, voilà, on peut pas se permettre. On a une réputation à tenir. Par contre, à Shelly, aller au mid, ça me branche pas des masses. Il y a beaucoup de brawlers qui peuvent me focus. Ok, il y a une cousine qui est par là. Moi, si elle veut bien que je charge mon ulti sur elle, ça fait plaisir. Ou pas. Ok, tonton, il a fait le malin. Il s'est pris une patate. Je me suis pris un crochet du gauche, les gars. Ça m'apprendra à moins 6. On est à 5 trophées. On passe à moins 11, les gars. Alors ça, normalement, vous vous dites, putain, mais tonton, t'aurais pu les cut, ça. Tu perds la face, là. Non, les gars, c'est la vraie vie. Comme je le dis souvent, c'est la vraie vie. Malheureusement, il y avait une Shelly. Alors j'aurais pensé qu'on aurait pu la dépop, mais... Ben voilà, ça ne s'est pas fait. J'ai eu mon ulti. J'ai pas auto-shoot l'ulti assez rapidement. Et du coup, on s'est fait casser la tronche. Les aléas du direct. Alors, il y a une Billy en bas, il y a un arcade. Je vais tenter le beau jeu, les gars. Je vais tenter le beau jeu en espérant que ça vire pas au fiasco. Ok, on a 2 pots. Je peux pas rester caché dans une vidéo, de toute façon, les gars. Je veux bien jouer safe, mais je peux pas me permettre de vous mettre une vidéo trop fébrile. Alors, lui, arcade, c'est pas franchement le mec que j'ai envie de soulever, mais voilà, quelque part, nos destins, on devait se rencontrer. Alors. Ouais, s'il me laisse charger l'ulti, lui, par contre, c'est le vrai frérot. Hein. Lui, c'est le vrai frérot s'il me laisse charger l'ulti, parce que derrière, après moi, j'ai des projets pour lui. Qu'est-ce qu'ils ont à pas bouger, c'est ça? Ah ouais, d'accord. Les mecs s'amusent. Les mecs, ils font mumuse, ils sont en train de teamer à 500 trophées. Viens voir tonton. Viens voir tonton, on va te montrer comment on team, nous, chez la team code Magic FR. On team pas du tout, on va t'exploser. Alors, il y avait l'arcade par là. Est-ce qu'il est encore ou pas? À mon avis, c'est barré. Oh, il y a une popo là. Moi, je vous dis, il y a arcade qui est là, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il y avait l'arcade qui faisait un petit piège. Putain, en vrai, j'ai envie de faire le beau jeu, mais si je sors de ma planque, on va se faire éclater. On va se faire éclater. Oh, ça, c'est moche, les gars. On voit tout ce que je déteste dans le jeu, surtout qu'ils se trahissent entre eux, ces espèces de fatigués, là. Je vais pas... On n'insulte pas. On n'insulte pas, mais là, clairement, les mecs font une alliance pour se trahir. C'est le truc qui sert absolument à rien, en fin de compte, parce que faire une alliance, à la base, ça devrait être pour être meilleur. Alors... Là, lui, s'il a le malheur de passer un petit peu trop près, il va manger comme il faut, là. Allez, viens voir, tonton. Est-ce que je peux le chauffer un petit peu? Ok, qu'est-ce qu'il fait? Comment ils jouent, les gars, ces mecs-là? Attention quand même à l'arcade, là. Attention. Il faut absolument que je vole au moins un top 2. Au moins un top 2, voire un top 1. Il est hors de question de refaire une défaite. On est sûr de prendre plus 6. Mais non, plus 6, ça m'intéresse pas du tout, les gars. Alors, faut pas que j'auto-shoot la tourelle. Ok. Ah, il va prendre la popo. Ok. Oh, l'escroc d'une vie, il s'est gavé, le frérot. Ok, il s'est gavé, mais je lui ai quand même mis un bon petit crochet, on lui a mis. Ok, on a fait moins, on était en moins 11, enfin plus 10, donc en réalité, les gars, on doit être à moins 1, normalement, si j'ai compté. Voilà, tranquillou. On est à 22 999, les gars, plus qu'à un seul TR de l'objectif du jour. Putain, va falloir le faire avec Morty, c'est hyper sérieux, ça.
Alors, on va tenter avec Mortis. Il faut qu'on fasse un plus 1. Donc, il faut qu'on fasse un top 5 minimum, les gars, pour être payé, être dans les places payées. Ouais, c'est comme un tournoi de poker, les gars. Il faut qu'on soit dans les places payées si on veut pas perdre la face, en tout cas remplir le défi du jour, qui était les 23K en solo survivant. Alors, bien sûr, les 24K, 25K, etc. On se fera tous les caps de 1000 trophées, les copains. Par contre, on se les fera dans un mode différent à chaque fois. C'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. Donc, un coup en braquage, un coup en brawl ball. Dites-moi en commentaire quel mode vous voulez qu'on... Dans lequel mode vous voulez qu'on aille la prochaine fois, voilà, pour le pour les 24, 25, etc. Vraiment, j'attends un engouement, les gars, j'attends que vous, voilà, je vais être guidé, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, etc. Il faut qu'on choisisse ensemble tout ça. Même si, je vous cache pas qu'il y a des gros caps que je risque de franchir en Brawl Ball. Alors, l'unité, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Oh là 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 là, les gars, on n'est plus qu'à une place d'être payé. Plus qu'à une place de remplir le défi du jour, les copains. Ah, Jessie, c'est pas ouf, hein, Jessie. Hein. Jessie, ouais, je peux pas trop aller la fight, elle a 5 popos. En plus, elle avait le soda. Les copains, vous me direz tout ça en commentaire, en tout cas. Vraiment, ça fait plaisir de reprendre ces vidéos de rush. C'est clairement les vidéos où je prends le plus de plaisir, hein. Vraiment. C'est vraiment stylé. Ah non, 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 logo, tu bouges, là. Alors, faut plus qu'il y ait qu'un seul mec qui meurt, en vérité, là. Putain, si je tombe sur un bout, une Shelly, comment je me mets à pleurer. Oh, ils sont encore en alliance, mais sans rigoler, les gars, sans rigoler. Comment c'est possible? Comment c'est possible que sa team à 500... À combien on est là? 580? Pardon les gars, je m'étouffe. Comment c'est possible que sa team aussi bas? Autant haut, c'est un délire particulier que je ne tolère pas du tout, hein, j'aime pas ça. Mais à 500, c'est encore plus ridicule, quoi. Alors moi, par contre, je vais rester à côté de ce que je vais appeler mon bouclier. C'est la popo, et le premier qui vient, je prends la popo et je déboîte. Je déboîte au calme... Ah, vas-y, vas-y, on tente le beau jeu, ça m'a saoulé. Ah, il voulait teamer, là? Il voulait teamer, lui? Ok, tu teames pas avec tonton, ça, ça marche pas, ça. Alors, la Rosa, ah, il team encore, là, pour de vrai? Ok, on prend les deux pots, comme ça, au moins. C'est pas que je suis teubé, hein, les gars, je sais que ça sert à rien d'en prendre deux. C'est juste que, moi, les popos que je prends, les sodas, plutôt, ce sera ça, au moins, qui prendra le frérot en face. Il y avait un primo, je crois qu'on va... On va tout simplement essayer de prendre le soda. Il est où, le mec? Il est où, le mec, les gars? C'est quoi, cette blague? Ah, il est là, ok. Ok, top 1. Top 1 avec Mortis, les gars. Comme quoi, tout peut arriver. Tout peut arriver sur Brawl Stars. On aura fait pas mal de top 1. Franchement, je suis assez content de cette petite session sympa, voilà. Double objectif, tout simplement, comme je l'ai dit, les 23K. Et le défi de prendre le brawler qui était à chaque fois en dernier. Du coup, on finira à 23 000 et 9 trophées. Alors, c'est pas dingue, hein. Clairement, j'ai un record qui est beaucoup plus haut, les gars. On a un record à 29 152 trophées. Donc, on est quand même loin du compte. On a encore à plus de 6100 trophées. Loin de ce record, mais croyez-moi, quand je dis quelque chose, je tiens parole, vous le savez très très bien, et du coup, on va défoncer le jeu. C'est une obligation qu'on réussisse à dépasser ce record, sachant qu'en plus, il y a 2 ou 3 brawlers de plus, je crois que c'est 3 brawlers de plus depuis que j'ai fait ces 29K, donc clairement, on n'a aucune excuse pour ne pas les faire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros 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 bisous à tous, merci pour tout le soutien que vous me donnez, les gars. Ça fait vraiment plaisir, à très bientôt, ciao ciao.